Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui je customise ma première poupée sur le thème Star Wars. No Flutter a réalisé un fanart de Leia Steampunk et je dois avouer que cette version m'a fait de l'œil pendant un bon moment. Mais si je n'ai pas osé la faire jusqu'à maintenant, c'est tout simplement parce que je ne savais absolument pas comment faire ces énormes macarons sur la tête. Maintenant que je suis un peu plus à l'aise avec la confection des wigs, je sais exactement comment m'y prendre et on va voir ça ensemble. Mais avant ça, on commence par le make-up avec des pastels et des crayons aquarellables.
jour, je mets un sac de congélation sur la tête avant de faire la wig pour protéger le make-up des coulures de colle. Je trace ensuite une ligne pour me guider afin de faire une raie la plus droite possible. Je colle ensuite la fibre avec de la colle Mod Podge et un pinceau en partant de la ligne vers les oreilles. Alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre comme technique, mais ce n'est pas la première fois que je l'utilise et personnellement je trouve que ça a fait ses preuves et que ça fonctionne plutôt bien. La base de notre wig est faite, on va maintenant réaliser les macarons et croyez-moi, ça n'a pas été facile.
faut fixer des aiguilles dans les macarons de façon à pouvoir les planter ensuite dans la tête, j'utilise de la résine UV et je pose tout simplement les macarons dedans sur un film transparent pour que la lumière UV puisse faire effet. Le but étant de donner une base solide aux macarons. Pour être sûr que la résine soit bien sèche, je place mes macarons 5 à 10 minutes dans mon four à ongles qui va émettre une lumière UV plus forte que ma petite torche et donc plus efficace. Les procrastinatrices associées ont fait un travail d'orfèvre sur sa tenue. Je vous laisse juger par vous-même. Petite dédicace à Dolmil qui utilise elle aussi très souvent la super glue. Thank you.
voici mon projet Princesse Leia Steampunk achevé. Je suis super contente de l'avoir fait parce que sa wig a été un vrai challenge pour moi et aujourd'hui je sais que j'ai acquis un peu plus de technique en la matière. J'adore avoir ce sentiment de satisfaction quand on a appris à faire quelque chose toute seule et que je peux continuer à évoluer dans ce sens. Je remercie d'ailleurs les procrastinatrices associées pour leur engouement perpétuel et surtout pour vouloir continuer à travailler avec moi. Et aussi nos flotteurs, l'une de mes sources d'inspiration qui a une imagination débordante au niveau redesign des personnages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Tchuss !